Bonjour, je m'appelle Françoise Cadol, je suis comédienne, auteure, j'ai une compagnie de théâtre et j'ai fait l'adaptation théâtrale de ce roman « La femme qui ne vieillissait pas » de Grégoire Delacour. C'est une pépite, j'ai voulu faire l'adaptation théâtrale du roman pour dire combien la femme est magnifique. Pour s'améliorer, faire de moins en moins de fautes possibles, il faut s'entraîner à faire des dictées. Donc en faisant des dictées, on se confronte aux difficultés, on fait de moins en moins de fautes. 15 secondes chrono pour vous parler d'une vie de flic. Donc moi personnellement, je suis Eric Oliva, je suis flic. Et donc à l'intérieur, vous avez 20 chroniques, 20 histoires vraies du début de ma carrière. Si vous aimez donc le réel et sans tabou, c'est celui-ci qu'il faut prendre. Bonjour, c'est Pierre-Jean Chalençon pour La Provence. J'aime beaucoup le Festival d'Avignon. Je trouve que c'est une réunion de gens extraordinaires. Et c'est surtout une rencontre avec le public qui est très agréable. Les gens me disent « Ah, c'est étonnant, vous êtes pareil qu'à la télévision. » Pourquoi il y a autant de succès de cette émission? Parce qu'on est des gens vrais dans Affaires conclues et que Pierre-Jean Chalençon, qui est une sorte de tête de gondole, est un peu le voilà, bah, je suis exactement dans la vie ce que je suis à la télévision. Je devrais faire de la politique, hein, peut-être. J'aurais peut-être de la chance, je serais peut-être élu. Hein.